Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la carrière MotoGP, épisode 17, Grand Prix du Japon. On doit absolument, alors là pour le coup, je le dis à chaque fois, mais là faut qu'on prenne masse de points là. Masse de points pour redresser un peu la pente, parce que là c'est carnage depuis les dernières courses. Il ne reste que 5 courses au championnat. Si on veut être champion, faut pas faire d'erreur là. Mais alors absolument pas quoi. Là j'ai 8 points de retard, je suis même plus en tête. Absolument pas le droit à l'erreur. Bonne nouvelle. Hey, j'ai eu peur. Je vais être honnête, j'ai eu très peur. Le Japon, souvent, il flotte, donc... Let's go. Allez, Bien go le en bonjour Q1. du Japon. Allez, premier tour. J'aime bien le Japon. J'aimais bien le Japon en MotoGP. Après, en Moto3, à voir. Ça fait tellement longtemps. Mais bon, normalement, le Japon, honnêtement... Gros kiff. Des gros freinages, en général c'est là où on prend du temps sur l'IA. Donc let's go, là objectif on passe en Q2 directement, si on peut passer en un tour ça serait cool. Ok, déjà on est à l'aise sur les trains. Ok, pas mal. Enfin, si je reviens sur le pilote de devant, là comme ça je les rendrai à milieu mais je suis pas sûr. Non, c'est pas du tout lui. Non, la moto est rouge. Devant, on aurait dit que c'était orangé avec du rouge. Donc Stefano n'est pas. Ah, si j'arrive à recoller, c'est bon signe. Oh, je suis late sur le changement d'angle. Mais bon, là, en vrai, c'est la victoire en rien. C'est la victoire en rien. Un championnat à aller chercher, 8 points de retard, 5 courses. Oh putain. Ah c'est pas terrible, il y a des boulettes, mais je reviens quand même au fur et à mesure. C'est pas nommé pas, je m'en rapproche. Sors du stand, mais généralement l'IA se met direct dans le rythme. Moi j'ai mis un coup de en pleine ligne droite. Regardez, je suis en train de revenir là. Oh non! Oh! C'est si nul. En vrai, je vais flashback tout l'enchaînement qui était pas bon. Autant bien utiliser le flashback, hein. Quand même nettement mieux. On va se placer sur la ligne. Premier tour. 57,3. Et bah écoutez, on est en Q2. On est en Q2, objectif rempli. On ne se met pas dans une situation compliquée comme ça a été le cas en Aragon. On partira au pire des cas 18e. C'est déjà ça. En vrai, j'ai fait qu'un seul tour. Ça suffit. À voir en Q2. Après, j'esquive avec le temps. Des fois, ça fait un peu bugger, on sait pas. Donc bon. On verra bien. Allez, rendez-vous cul de les potes. Allez, let's go. Pneu tendre, avant-arrière. On va voir ce que ça donne. Tout le monde s'élance devant nous. Enfin, je vais pas être gêné, il y a quelqu'un qui sort des stands. David Munoz. Tu les as déjà un peu ruinés, Misano. Hein? Aragon non, mais Misano oui. 58,8 pour Yamanaka. Moi je vais essayer d'assurer un 56 en vrai. Je me dis qu'avec les tendres il y a moyen. Sur un tour ils peuvent le faire. Ok. 7 dixièmes d'avance sur le premier secteur. Ok, la trajet est bonne. Oh! Ça compte 4 d'avance. Je suis en train de rattraper une gaz-gaz, non? Je pense que c'est Guevara, mais je suis pas sûr.
Ah si c'est Guevara. Ah si c'est Guevara, je rattrape comme ça, c'est rassurant par contre. Ok, ce virage là on s'est bien raté en Q1. Nettement mieux. 2 secondes 2 d'avance. Je suis en train de lâcher le chrono qu'il faut là. Je suis un des rares en rouge en plus, c'est pour dire. Oh, j'arrive fort. J'arrive fort, mais je suis revenu là. Non. J'avais quasiment un 55. Ouah, c'est la pole, non? J'ai passé avec un 57 tout à l'heure, donc en vrai. Il y a du orange, il y a du orange, mais il n'y a pas de rouge. Et ils ont joué seulement 7ème pour le moment. Allez, on rentre. Regardons le classement. Eh bah, let's go! On est en pole, et Denis ont joué. Oui, Denis. C'est la fin de notre retransmission. Oh, les potes, on est 14ème. Oh! Il y a un coup à jouer. Oh, il y a un giga coup à jouer. Foggia. Foggia, championnat, c'est dangereux aussi. Mazia, pareil. Mais alors, Denis ont joué seulement 14. Ouloulouloulou, faut pas se rater. C'est le week-end peut-être qui peut nous permettre d'être champion. Ouais. Je m'enflamme peut-être, mais ça peut aider de ouf. Bon. Mais nous voici au moment que nous attendions tous. Ça serait bien de pas rater notre premier tour et franchement de se barrer devant. La météo est clémente et les températures. Se barrer devant, honnêtement. C'est le meilleur truc qui peut nous arriver parce que dès qu'on se fait attaquer par l'IA, après c'est un peu la panique. Donc écoutez, on va prier pour essayer de faire un bon premier tour et après. On verra ce qui se passe quoi. Les pilotes sont tous en place sur la grille de départ. Et boum ! Ok, ok, on est bien parti. On a Foggia. En vrai, limite, si on peut partir avec un petit groupe, ça me va, mais faut pas qu'on soit trop, quoi. On va voir si leur rythme est plus élevé en course qu'en qualif. En qualif, j'étais pas... Après, j'ai 8 dixièmes, hein. Oh, j'avais pas vu. Ok, faut pas se planter. C'est ultra important pour le championnat, là. Jamais, j'essaie juste de partir, j'en peux plus moi des courses où je peux pas attaquer de tous les côtés. C'est fini ça, on en veut plus. Seconde croix. Je suis en train de faire une course à la Lorenzo là, j'essaie juste de me barrer. Mon seul but, une seconde 5, seconde 6. Pas de trace de Denis de Anjou. Seconde 9. On est en train de faire exactement le plan que je voulais. Se barrer dès le premier tour. C'est exactement ce que je voulais. Deux secondes 1. C'est revenu un peu là. Mazia qui est passé P2, il a doublé Foggia. Mais bon là en vrai j'ai 2 secondes d'avance au bout d'un tour. L'écart qui continue de augmenter en plus hein. Oh ouais ouais, ça sent la course en solitaire. De toute façon on a remarqué que c'était souvent ça. Soit on est en solitaire devant, soit on gagne pas. Nickel, 2 secondes 3. Je serai confiant à partir de 3 secondes pas avant. Ah mais ça peut être des giga gros points. Déjà reprendre au moins la tête du championnat dans un premier temps. Et en plus si on peut avoir quelques petits points d'avance,
Pour moi, il n'y a pas eu de chute, on a vu aucun drapeau jaune. Je suis raté. Je vais remettre un peu de power 3. J'essaie de voir où il est dans le jeu, mais j'ai pas réussi à voir. J'ai perdu l'avant. Oh là là. Oh là. J'ai perdu l'avant et j'ai perdu l'arrière dans le même virage. Une seconde 9. Ah bah immédiatement on perd du temps. Deux secondes 1. Je suis plus à l'aise au freinage en fait, j'ai l'impression. Seconde 9. Seconde 8. Seconde 7. Oh putain, Mazda il est énervé là. En fait, je viens de rouler en 58, c'est pas terrible. Seconde 7. Mais attendez, mais il revient là, Mazda. Moi j'étais là, j'étais confiant. Ah, je suis sûr, il roule plus vite qu'au Cali. Seconde 8. Il y a une chute. Je sais pas qui c'est. Pas d'info. C'est nul. C'est à chier. C'est à chier. C'est à chier. Et c'est en train de revenir. Une seconde 2. Là même, je roule encore moins vite que le tour d'avant. Qui était déjà pas bon. Une seconde. Oh le craquage. Je me suis vu trop beau là avec 3 secondes d'avance. Dixième. Mazda est en train de revenir mais comme une balle. C'est parti de la boulette ici en vrai. Seconde 3, c'est bien, je me suis repris. Seconde 3 toujours. Ça augmente un peu dans une droite avec le power. Seconde 6. Enfin, vous savez quoi, finalement c'est pas, je suppose, c'est serein. Ouais, parce que là une seconde 4 au final sur l'ensemble du tour il m'a marqué beaucoup. 57.9 j'ai fait. C'est pas si lent mais après, en qualif, j'étais quasiment 55.9, donc bon. Deux secondes plus rapide quand même que ça. Guevara qui passe derrière. Oh, si ça peut se bagarrer un peu. Guevara qui tombe. Oh, mais il a craqué si rapidement. Ah, il y a des onjoux qui rentrent dans le top 8. Il est toujours là. Hein. Il remonte fort. Hein. En ce temps-là, moi je fais de la merde. L'écart qui se rapproche d'une seconde. Une seconde, une seconde. Oh là 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 là, on va passer sous la seconde bientôt. 9 dixième. Andrea Mignot qui remonte aussi, ça se bagarre un peu. Mais Dizonjou il est juste là, hein. Il peut gratter encore beaucoup de place. Hein. Bon, ce championnat il va être serré jusqu'au bout. Il va être serré jusqu'au bout. 9 dixième. C'est en train de chuter en plus l'écart. 8 dixième. Oh, j'essaie de remettre les gaz le plus tôt possible. Ah, toujours 8 dixièmes. Il va rester 3 tours. 3 tours, mais
suis de moins en moins serein là. Dommage qu'on voit pas le meilleur tour en course de l'IA pour le moment. Parce qu'à mon avis, ça doit rouler vite. Hein. Denis Zonjou, 7ème. Encore une place de gratté. Et je me suis raté. Et je viens de me rater. Ok, on fait mieux de 10ème. J'ai jamais eu mon meilleur tour, mais ça revient trop fort derrière. 6 dixièmes, oh, y'a plus rien, on a plus rien. On peut considérer qu'ils sont revenus carrément. J'ai les pires trages. Et bah putain, l'époque des 3 secondes, hein, elle est loin. 6 dixièmes. 2 tours et demi. Ça va être serré jusqu'au bout. Par chance, j'ai rien utilisé comme flashback. Je suis bien sorti là, non? Et Denis Zonjou, 6ème. Encore une perte de gratté. Il est trop fort. Il va rester 2 tours. C'est maintenant. C'est maintenant. J'ai plus que 5 dixièmes d'avance. Prends bien la corde. Poggia qui passe derrière. Ok, faut déjà qu'il reste devant, il a gardé l'avantage dans le virage. Ouais. Denis Zonjou, 5ème. Il partait 14 je crois. Il est solide de ouf. Hein. Il est solide de ouf. Et moi j'ai plus 3 dixièmes là. Je fais mon meilleur tour perso, mais. Bon, faut déjà qu'il passe 4. Oh, il y a Denis Zonjou, il est juste calé derrière lui. Oh lolo. Je suis en train d'améliorer, mais. Ça va jouer à rien là. Je me suis raté. C'est calé derrière moi. En table du dernier tour, on est en tête. On a fait toute la course en tête. Sauf que maintenant, j'ai plus du tout d'avance. Allez, faut un gros tour pour finir. Waouh, Mazza qui vient de nous percuter. Et il gueule en plus. Hein. Il est malade, lui. Trois dixièmes. C'est mon meilleur début de tour. 4 dixièmes. Et derrière, c'est calé derrière moi encore. Hein. Ça fait aucune différence. Oh, le vibreur qui m'a pas mis bien. Pourtant j'améliore de 9 dixièmes. Et pourtant j'ai qu'un dixième d'avance. Ça va jouer le dernier mètre de la course je crois. Wow,
Oh, mais Mazia! Genre, je suis pas ton point de freinage non plus. Il a arrêté sa moto avec moi. Putain, je suis en train de faire mon meilleur tour, je donne tout. Donc, je le fais percuter. Je sors de la spi. Il va pas rester beaucoup, 3-4 virages. Je me suis raté avec les vibreurs. La roue qui a décollé. Tout est contre moi. Mazia qui me pousse. Mazia qui me pousse. Allez. Non. Revenons sur le classement final. Oh, je suis 3ème, 34 millième. Les pilotes profitent d'un tour d'honneur. Mais non. Et nous allons bientôt les rejoindre dans la zone. Oh du non, mais c'est Mazia, ce chien, il est venu me pousser là. Ah, oh, j'ai le démon. J'ai le démon. Ah, oh, je me suis vu les doubler sur la ligne. 34 millième. Oh non. Oh non, comment je suis deck de ouf. Je prends même pas la tête du championnat du coup. Oh là là, la désillusion. J'étais là, je pensais partir loin. Ils sont tous revenus. Ah, oh, et Mazia dans la dernière. Il nous a poussé comme jamais. Oh, je suis dégoûté en vrai. Oh, je suis dégoûté. On prend même pas la tête du championnat. C'est pas une mauvaise opération, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait. C'est pas du tout ce qu'on voulait. Oh là là. Oh, ce championnat, il va être tendu, mais jusqu'à la dernière course. Jusqu'à la dernière course. Oh là là, mon dieu. Bah écoutez, les potes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde, à plus.